place là. Bon bah ça tombe bien, on va se retrouver pour la présentation d'un super livre. Vous êtes prêts? C'est parti. Je n'arrivais plus à trouver de livre qui correspondait vraiment à mon style littéraire, à ce que j'aime de base lire. Et il se trouve que grâce à mon amie Marine, j'ai trouvé un truc génial. Et oui, grâce à mon amie Marine, en fait, j'ai découvert une suite de livres qui sont vraiment super bien. Enfin, je suis encore qu'au premier, mais le premier est déjà très très bien. Donc, ça s'appelle Le Clan des Otori. Voilà. Donc, le premier tome, c'est Le Silence du Rossignol. Et c'est écrit par Liane Hearn. C'est une collection qui date des années entre 2002 et 2007. L'auteur est britannique, mais elle est partie vivre en Australie en fait. Et elle écrit des livres sur le Japon. Voilà, c'est en fait une histoire qui se passe dans le Japon médiéval, mais qui est une fiction, c'est-à-dire c'est pas des faits historiques. Elle a en fait intégré ses propres personnages dans le Japon médiéval. Et donc les livres racontent l'histoire en fait d'un jeune garçon qui s'appelle Takeo Otori, qui est un enfant qui a été adopté par un seigneur samouraï et qui va connaître tout au long de sa vie la guerre, la mort, l'amour avec une princesse qui s'appelle Kaede. Voilà, c'est toute une aventure, c'est toute l'aventure de sa vie en fait, et c'est juste super intéressant. Alors le livre est écrit à la première personne, donc c'est souvent par exemple le héros Takeo qui raconte sa propre histoire, et dans certains chapitres c'est aussi Kaede, donc c'est une fille de seigneur japonais aussi, qui en fait va certainement devenir son amoureuse. Et voilà, chacun a ses chapitres et on voit leur évolution tout au long du temps. Moi à la base je suis pas très livre à la première personne, parce que j'ai tendance à trouver que c'est pas forcément bien écrit. Mais là, je suis très agréablement surprise. Je trouve que c'est bien écrit, les personnages sont intéressants, le contexte est sympa. Donc, si vous êtes à la recherche d'un bon livre sur le Japon, eh bien n'hésitez pas, c'est Le Clan des Otori de Liam Hearn. Voilà. Dans la collection Folio, voilà. Axo Folio, et c'est le numéro 3907. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ce genre de vidéo un peu littéraire vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous présenterai d'autres livres en rapport avec le Japon que j'ai pu lire. Voilà, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt sur la chaîne, bye bye.